8h44, c'est l'heure déjà de la chronique Tourne-disque avec Sylvain Lecourt. Salut Sylvain. Bonjour. Cette semaine, vous avez quelque chose en commun avec notre invité musical de cette semaine, justement, Lucien Francoeur. Oui, c'est parce qu'on a tous les deux le même âge mental. 35 ans. mais Lucien a un peu plus de millage que moi, puis il a fait son millage avec la pédale au plancher. Vraiment. Puis dans des chemins souvent tortueux. Lucien Francoeur, c'est un bum qu'on aime. C'est le freak de Montréal. C'est le poète qui a fait rimer Pink Floyd avec Hot Dog. C'est celui qui s'est fait demander par son père « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » Et puis qui répond « Rien ». Calibine. Là, vous pouvez remplacer par le sacrilège on de votre choix. On laisse place à l'imagination, ben oui. C'est celui qui, avec son groupe Autre Chose, est considéré comme le point d'origine de la musique underground québécoise. Et comme l'écrit Félix B. Desfossé dans L'évolution du métal québécois, un livre que je vous amène souvent ici, mm-hmm. puis Félix, ex-confrère de Guillaume, ouais. Félix a écrit « Un maillon important de l'évolution du métal au Québec » dès 1975, et Francoeur et Autre Chose ont été nommés comme groupe le plus prometteur au Canada, au Junos, en 1976. Pourtant, Sylvain, en 1974-1975, la tendance était plutôt beau dommage ou harmonium. On était ailleurs, là. Oui, exactement. Mais c'est vrai. Mais Francoeur, justement, nous proposait Autre Chose. Hein, voilà. De la poésie, du slam sur de la musique rock, des guitares électriques, du synthétiseur, celui de Pierre-André Gauthier de la Vérendrye, un gars de Val-d'Or, qui apparemment a été un des premiers musiciens québécois à utiliser et à avoir un synthétiseur. C'est d'ailleurs lui qui signe la musique de la chanson qu'on va écouter dans quelques instants. Puis les paroles, c'était quelque chose de, disons, délicieusement irrévérencieux. Puis moi, je suis resté accroché à l'album Une nuit comme une autre, mais pendant la préparation de la chronique, j'ai réécouté la discographie complète, puis surtout l'album qui s'appelle Chansons d'épouvante, toutes des œuvres qu'on a déjà entendues, mais avec un orchestre de rêve. Il les appelait ses anges de l'enfer, je vous les nomme rapidement. Pardon. Jacques Racine, membre original du groupe. Michel Away-Langevin, de Voivode. Le regretté Denis Piggy d'Amour, décédé en 2005 et remplacé par Alex Crow de Xavier Caféine. Vincent Peake, Grimmskunk et Groovy Aardvark. Et Joe Evil, de Grimmskunk. D'ailleurs, Grimmskunk est en spectacle au MTELUS quelque part au mois de mai, je le signale. Alors, je vous assure, allez écouter ça. Ça brasse la cage et Lucien est en pleine forme. Mais pour l'instant, on va écouter une version qui va permettre à nos auditeurs de déjeuner en paix. Votre choix s'est arrêté sur Nancy Beaudoin, tirée de l'album original Une nuit comme une autre. Ça remonte à 1975. Donc, on écoute ça sans plus tarder.
Baudouin. Chérie, veux-tu être ma Barbie en vie? Veux-tu être ma Maggie McGill? Ma blonde Céline. Chant sauvage, fille en chaleur. Mon char de peau, mon sentier de guerre. Mon overdose de vie, ma fin du monde. T'es ma sortie d'urgence. Nancy Baudouin, tiré de l'album Une nuit comme une autre de 1975, évidemment interprété par autre chose, Lucien Francœur. Oui. Et là, c'est le moment de l'émission où on salue une fidèle auditrice, la mère de Guillaume. Ben oui, qui m'a écrit. Moi, Lucien Francœur, ça ne me dit absolument rien. C'est pas. Ça fait pas partie de ma culture musicale, malheureusement. Par contre, ma mère m'a dit que Lucien Francœur lui a enseigné la poésie au cégep Édouard Montpetit à Longueuil au début des années 80. Il semblerait que c'était un excellent professeur. Donc, voilà. Je pense bien que oui. Et c'est un amoureux du français, Lucien Francœur également. Oui. Et il a été aussi animateur radio sur les ondes commerciales avant que le 98.5 ne devienne une radio parlée. C'était Cool FM, si je me souviens bien. Oui, puis il a été à C'est quoi? Puis CNV, je ne sais pas c'est quoi, là. Puis il y a eu, en 1994, sa propre émission de télévision à TQS, ça s'appelait Le Blues à Francœur. Tout un personnage qui a été exactement aussi. Professeur de poésie. Et on salue votre mère, Guillaume. Oui. Et pour les gens comme Guillaume qui veulent en savoir plus justement sur Lucien Francœur, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui le connaissent un peu moins, il y a justement un documentaire qui est sorti en décembre dernier. Oui, croyez-moi, je ne suis pas fier de moi, je ne l'ai pas vu. Puis j'espère qu'il est encore possible de le voir à certains endroits. Mais en tout cas, chose certaine, les diffusions sont maintenant rares. Si ça passe sur Netflix, dites-le-moi, j'ai pas Netflix, mais je vais m'abonner. Et je sais que ça s'appelle « On achève bien les rockers ». Et ça, c'est en fait le titre d'un 45 tours solo de Lucien Francœur, réalisé en 1987 par Jerry Boulet, avec la participation vocale de Jerry. Et selon les extraits du documentaire que j'ai pu voir, et toute la documentation que j'ai consultée, parce que je lis évidemment toujours 140 pages de documentation, fais mes chroniques, c'est du cinéma vérité et ça raconte un périple, un récent road trip de Lucien vers la Californie en compagnie de sa fille unique qui s'appelle Virginie. Elle doit avoir 37 ans c'est en ce moment. C'est elle qui réalise, hein, c'est ça? Exactement, elle co-réalise le documentaire. Ouais. Et elle voulait documenter justement la vie singulière de son père qui a la santé fragile, mais qui a encore toute sa verve. Il a de la mémoire. En tout cas, moi, je l'admire. Je veux avoir sa verve et sa mémoire quand je vais avoir son âge. Il a 75 ans en ce moment. Le documentaire a été fait en toute intimité, sans cachette. Et permettez-moi l'expression, Virginie challenge son père, puis c'est parfois assez émouvant. Puis les deux ont appelé ça un dernier tour de piste, un last call.
à voir. Donc, et là, Sylvain, vous avez un quiz pour nous. Oui. Et là, bon, Sylvain nous offre toujours une feuille bien détaillée de ce qu'il nous prépare. Et là, il a mis en parenthèse, je vous le dis pas. Ça m'intrigue. Ben là. Écoute, parce que vous auriez eu le temps de réfléchir un petit peu puis de trouver la réponse assez facilement. Là, ça va être plus difficile, mais j'ai des indices. On parle ici d'une collaboration improbable. Et la réponse, justement, serait difficile sans indices. Lucien Francoeur a coécrit une chanson d'une chanteuse fort populaire dans les années 80. Blonde, les cheveux bouclés, connue pour « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ». Martine Saint-Clair, justement. Elle avait chanté aussi « Il y a de l'amour dans l'air »,« L'amour est mort ». Et elle avait malheureusement chanté aussi « Laver, laver ». Alors... On se souviendra. Merci beaucoup, là, je l'ai dans la tête pour le restant de la journée. Oui, c'est ça. Lucien a écrit pour Martine Saint-Clair une chanson qui s'appelle « Mal d'aimer », parue en 2001 sur un album qui s'appelle « L'amour fou » et qui est passé plutôt inaperçu. Ben Sylvain, c'est toujours un plaisir. Ben pour moi aussi. J'adore ça, venir vous voir chaque vendredi. Et d'ailleurs, il y a un auditeur de Mégantic qui nous a appelé pour te remercier. Ça l'a bien réveillé ce matin, Nancy Baudouin. Ben excellent, merci. Merci, bonne semaine, Sylvain. Eh oui, l'émission tire à sa fin. Je me tourne vers Christine Bureau.